Yo tout le monde, c'est Fourchette et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi ça va super. Comme vous voyez je suis un petit peu la tête dans les nuages. Voilà, d'avoir une communauté assez assez solidaire et tout, soudé, voilà, c'était soudé, j'aime ça, voilà. Aujourd'hui les amis on va tout simplement jouer à une map qui a été réalisée par un enfant de 11 ans. Enfin la personne avait 11 ans lorsqu'elle a réalisé cette map. Donc voilà les créateurs de cette map. Donc et puis donc c'est une map puzzle avec du parcours, plein de choses. On va découvrir ça ensemble, ça joue tout seul. On doit être sûr qu'on meurt, ok, rester en aventure et prendre plaisir pour en mourir. En mourant ou prendre plaisir de mourir. Enfin voilà, vous m'avez compris. Donc c'est assez sympa. Ça nous permet de voir un petit peu la map. Donc bon, c'est parti les amis. On va voir tout ça. Start. Welcome to level 1. Bienvenue au niveau 1. Donc alors, sync. Ok, donc là, sync. Alors sync, c'est penser. Voilà, nickel. Level 2. Ok, donc là. Ok, des cobblestone, échelle. Moi, je te dirais tout simplement qu'il faudrait que on fasse un truc un peu chiant. Un truc où on meurt, en fait. Genre, où on se fait du mal. Je pense qu'il faudrait faire ça. Enfin, je sais pas. Attendez, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Là, en soi, on va poser, on peut poser cette échelle? Ouais, on peut la poser. Ok. Parce qu'en vrai, là, on va prendre énormément de mal à se tuer, quoi. Ça va être... assez relou, quoi, je sens. Mais bon, faut le faire. Donc, au pire, on va faire ça comme ça. On va faire cette vieille technique de mourir et redescendre. Et de remourir. De remourir. Allez, de remonter. De redescendre et de remonter. Attention, on y est presque. Allez, plus que deux petits sauts, je pense. Ok, plus qu'un saut. Ok, vas-y, on va faire un mini saut. Voilà, ok, donc là, on est mort. Level 3, ok, ça c'est cool, on y est arrivé. Alors, cette fois-ci, on pose des anvils, donc moi j'ai envie de vous dire, easy. Oh mon dieu, attendez, comment... Ok, donc là du coup, ce qu'il faut faire, c'est que tout simplement, il faut tout simplement aller à un endroit où il n'y a pas d'anvil, où il n'y a pas trop d'anvil, parce que si on peut plus les poser, voilà, et on est mort. Franchement, les amis, pour le moment, on enchaîne assez rapidement. Bon, en tout cas, elle est bien sympa cette map, elle est vraiment belle. Je sais pas si vous trouvez, je trouve que la décoration, il y a un petit truc assez cobble, obsidienne, assez sympa. Alors là, du coup, mec, potion de dégâts. Hein, purée, alors attends, je vais essayer d'en faire une parce que je suis vraiment trop nul niveau potion. Alors attendez, hop, on va falloir qu'on ait besoin de beaucoup d'eau parce que on va se tromper. Alors du coup, on met déjà de la... Ah, en fait, parce que j'avais un problème de texture. Bon, voilà, nickel. Donc là, normalement, ça doit nous faire nos potions, voilà. Donc on va mettre de la netherwort et là, oh là là, la magie opère, ça commence à bouillonner. Donc on va essayer de faire une potion de dégâts 3. Purée, de toute façon, c'est avec ça en fait. On va avoir besoin de la Fermented Hay, Spider Hay et Glowstone Dust pour en faire une 3. Ok, c'est sûr. C'est sûr, les gars, on va y arriver, tranquille. Ok, on attend du petit bruit, c'est prêt. On va mettre Fermented Hay, ça marche ou pas? J'ai pas l'impression. Donc on va mettre Spider Hay, voilà, nickel. Donc de toute façon, on va faire ça. Alors, poison, ok. Non, Potion of Arming. Oh merde, je crois qu'on a pas le bon truc. Mais c'est pas grave. Donc attendez, là, si on met la Fermented, ok. Non, après, ça nous fait une potion de dégâts. Ok, bon. Bah, de toute façon, c'était assez simple parce qu'il y avait juste ces ingrédients qu'il fallait. Donc pas trop besoin de réfléchir ou même d'aller sur internet pour essayer de trouver la recette. Ah, je vous avoue, j'y ai pensé. Je me suis dit, je vais aller regarder sur internet comment on fait une potion. Mais non, c'était plus simple. Ouais, j'ai fait fonctionner ma tête pour une fois, ça va. Alors attendez, hop, voilà, potion de dégâts. Voilà, donc là, regardez. La belle petite potion de dégâts. Et là, du coup, on va la faire monter tier 3. Comme ça, au moins, bah, on va pouvoir se kill, mais d'une façon trop cool, quoi. On va pouvoir s'empoisonner d'un bon petit coup, là. Ça va faire plaisir. Ça va requinquer, moi, je vous le dis. Alors, attendez, hop, allez, potion combien déjà? 2. Et si on en rajoute encore une autre? Ah, mais non, c'est pas 2, 3, c'est 2. Ok, nickel. Donc là, du coup, on a toutes les potions, voilà. Et là, on va pouvoir se mettre une grosse boisson dans la figure. Ok, level 5. Ok, donc là, ce qu'il faut faire. Ok, on sort d'ici. Ok. Bah, c'est simple, hein. C'était simple, là, les gars. C'était beaucoup trop simple. Wow, level 6. Ok. Alors, là, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a des flèches. On a de quoi faire un repeater.
Repeater comparateur, donc on va tout prendre, on va tout prendre, on va tout prendre. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, welcome to level 6, ça on casse, voilà, on s'en fout. Alors du coup, on va poser ça, on va poser deux trucs comme ça, histoire qu'on se bloque. On va, alors attention, la fourchette qui fait de la redstone, ça va être vraiment exceptionnel ce truc. Alors attendez, alors du coup, si on fait comme ça. Ah, mais c'est bizarre. Au pire, je vais faire juste un truc tout simple. Attendez, à l'ancienne, on faisait comme ça. Les vrais, ça va. Attendez, hop, hop, hop. Attendez, on augmente. Voilà, comme ça. Et là, voilà, nickel. Les vrais, ils savent. Alors, du coup, on va mettre deux dispensers. Pourquoi pas? On va mettre un stack là, et ensuite, on va mettre repeater. Ok, et là on va se donner des on va se donner des bons gros coups de flèche dans la tête. Allez, c'est parti. Voilà, nickel. Ouais, bah franchement, elle a fait un repeater de qualité. Ok, une salle un peu sombre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Diamond pickaxe. Diamond pickaxe. Alors, est-ce qu'on a un truc à miner en fait? Parce que ça, elle peut faire quoi? Elle peut casser les Monster Eggs. Ouais, mais s'il y en a pas, c'est assez dérangeant quoi. Et alors peut-être, à mon avis, il y a une pierre de stone où il y a tout simplement, où, vous savez, elle fait spawner des silverfish ou un truc comme ça. En vrai, les amis, il faut que je passe vraiment toute la salle, et il faut que je tape, voilà, dans le vide sur les blocs. Et si on voit, de toute façon, on va le trouver un moment, on va le trouver. Mais il faut juste que je pète vraiment tous les blocs et que ça bouge en fait, parce que tout simplement, c'est sûr que c'est un œuf de monstre en fait. Enfin, des pierres qui spawnent des monstres. Ok, nickel, on a trouvé. Voilà, nickel. Allez, vas-y, explose-moi. Il y en a pas d'autres? Il y en a aucun? Attendez, non, il y en a pas d'autres. Ok, bah vas-y, Silverfish. Défoule-toi sur moi. Défoule-toi, vas-y. Vas-y, Silverfish. Vas-y, vas-y, je sais. Je sais, vas-y. Là, t'es vénère, là. Là, ça se voit. Vas-y, tape-moi, 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 tape-moi. T'as quoi? Vas-y, tape-moi. Vas-y, vas-y, frère. T'as un problème. Tu veux qu'on se tape? Tu veux qu'on se tape? Vas-y, vas-y, t'es pas prêt, là. Ok, Silverfish, nickel. Level 8. Alors, ça m'a tout l'air d'un petit parcours. Mais faut pas oublier que notre objectif, c'est de mourir et pas de faire le parcours. Ça c'est assez important. Il faut faire. Ok, nickel. Ok, bon, là on a un parcours de type difficile. Mais au pire, on a qu'à mourir de dégâts de chute en soi. Ouais, en vrai, je sais pas trop, mais. Ah non, à chaque fois on va regen. Ah, attendez, juste je vais faire un petit truc parce que ça, c'est la fonctionnalité la plus chiante de Minecraft depuis pas mal de temps. C'est le auto-jump qui sert juste à rien et que tout le monde enlève. Enfin, après, ah non, ça se peut, après vous l'utilisez. Yes, nickel, on y arrivait. Ça se peut, vous l'utilisez, mais moi personnellement j'ai juste horreur de ce truc. Allez, là par contre, on peut utiliser la TNT. Là, ça fait plaisir. Donc, hop, voilà, on va en mettre la blinde. Voilà, la TNT sur la TNT sur la TNT. Vas-y, hop, nickel. Là, c'est sûr, on va mourir. Explosion immédiate! C'est parti! Voilà, bah nickel. Voilà, dès le premier coup. Level 10, ok, on doit aller dans le Nether? C'est parti, vas-y, allons dans le Nether. Allons voir ce qui se passe dans le Nether, tiens. Voilà, on sait pas. Alors, si on est Nether, c'est tout simple. Ok. Oh, on a un chemin, c'est assez étrange. Là, la map elle change. Alors, on a. Oh là là, attendez. Oh, Whitebed. Ah bah oui, parce que les lits, ils explosent en fait dans le. Voilà, ils explosent dans le Nether. Et ça m'a fait laguer. Bon, alors, niveau 11. Niveau 11. Ah bah là, tout simplement, il va falloir qu'on se tire des flèches dessus. Et ça va être excellent. Ok. Ok. Allez. Allez, on compte. Allez, je veux me tuer. Oh yes, c'est bon, on y est arrivé. Super. Alors, oh putain. Non. Oh non. Oh non. Bon bah les gars, souhaitez-moi bonne chance. Pour le moment j'ai fait tout ce mur-là, faut que je continue sur ce mur-là, donc on va y aller petit à petit. Putain, et en vrai, j'ai. Voilà, nickel, super. Oh bah nickel, parce que là j'étais pas prêt de refaire l'autre mur. Bon alors, welcome to level 3. Très. 13, 13, 12. Ouais, 11. Bon bref, vous avez compris, c'est pas grave. Ah, attendez, hop, juste on va suffoquer, voilà, nickel. Allez, on suffoque. Ouais, allez, on suffoque dans le sable. Allez, allez, c'est parti. Allez, tous dans le sable. Allez, on avale des grains de sable, c'est pas grave. Vas-y, 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 encore un peu plus. Voilà, nickel. Suffocate in the wall. Level 14. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce niveau-là? Alors, on a un petit coffre et là, qui peut tout simplement miner du quartz. Alors, ok, nickel.
Oh, ah ben non, il y avait un bouton. Ok, non, ça c'est un troll. Ok, bah bien joué le troll, super, c'était marrant. On t'applaudit, voilà. Alors juste, c'est juste que c'est là, non? C'est là, non, c'est pas là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Parce qu'en soi, il n'y aurait pas un petit truc caché en haut aussi. C'est grave possible parce que là, c'est trop. Ah, attendez. Là, ah, bah voilà. Ok, là, il y avait un trou. Ça, c'est cool. Et on peut voir aussi toutes les différentes salles. On peut voir qu'il y en a quand même pas mal, hein. Et elle est sympa, cette map. Elle est vraiment sympa. Allez, hop, respawn. Ok, donc là, on a un coffre. Mais on peut pas casser la vitre. Ça, c'est étrange. Là, on a ça qui peut casser des vitres. Donc, on va casser des vitres. Voilà, ah, je vois tout le truc. Ça peut casser de la stone. Bah oui, normal, normal. Ça casse de la stone, ça. Mais oui, bien sûr. Non, mais franchement, mais c'est un gamin de 11 ans qui a fait cette map. Allez, vas-y, on casse encore. Super. Alors, à mon avis, on casse pile poil les mauvais blocs, bien évidemment. Alors, attendez, est-ce qu'on casse les mauvais blocs? On a cassé tous les mauvais blocs. Et là, on va en casser encore deux de blocs de stone avec une foutue hache en diamant, quoi. Le truc trop cool. Alors, attendez, hop. Non, on peut pas casser le coffre directement. Bon, on aura fait tous les blocs de stone, au pire, c'est pas grave, hein. C'est quand même cool. Mais bon, voilà, bon, c'est parti, nickel. Et là, voilà, on va devoir casser de les planches. Et après, on va pouvoir casser des slime balls. Parce que vous allez voir, j'ai remarqué qu'il y avait un petit truc qui... Non, ah putain, c'était pas slime ball. Là, je comprends pas bien, en fait, là, il y a des command blocks. Oh putain le coffre, ok le coffre, obsidienne, ok, putain, et c'est filou, vraiment filou là, et je t'ai perdu, j'ai dit, je suis arrivé sur une map qui bug, pas cool, bon allez hop on va casser ça, allez c'est parti, la petite obsidienne qui va nous permettre de nous tuer, oui, ah là là, qu'est-ce que je suis content de mourir, c'est génial. Level 16, ok, donc là on a...